Ma tête. Taisez-vous, vous. Maurice. Tu t'appelles Maurice. Et tu es une petite fille ou un petit garçon? Tu veux voir? Cochon. Tu es venu avec tes parents? Oui, c'est ma maman qui est là-bas. C'est laquelle? C'est la vieille qui est au deuxième rang là-bas. Et ton papa, où est-il? Il est resté à la maison avec la bonne. Qu'est-ce qu'il fait avec la bonne? T'as vu mes bigoudis? T'en as pas un comme ta frère. Qu'est-ce qu'il fait avec la bonne, ton papa? Mon papa, il joue aux grosses têtes sous la table. Alors, tu es une femme de M. Martin? Oui, mais je t'aime mieux, toi, parce que tu es plus petit. Alors, je vais réaliser ton rêve. Oui. Monsieur Martin va venir, mmh. Il va te faire une grosse bise, mmh. Et puis il t'invitera mmh. un jour qu'il aura une grande vedette. T'as de l'œuf là. Mais non, j'ai pas de. Il y a mon secrétaire qui a pris rendez-vous pour moi ce matin. Ah, vous êtes Mick Jagger. C'est Mick Jagger. Moi, c'est Jean-Loup. Hein? Énervez-vous parce que j'ai un concert à Bercy dans 2 heures. Maniez-vous le train. Ah ben ça avec plaisir. Ben alors qu'est-ce que je vous fais? Oh la barbe. Ah ben ben. Ah dites donc. Ah oh, vous savez hein. Je suis ému, ému, ému. Et mon blaireau, qui est mon blaireau? Ah ben il a craché dans le fond, il est en rôle. Ben, qu'est-ce que je vous fais maintenant? Un shampoing. Un shampoing, d'accord. Comment ça va ce matin? Bon, c'est pas terrible. J'ai une très violente douleur dans le bras. Ça me fait mal, très très mal. Je vois, vous êtes va toujours en forme. Oh la vache. Vous savez ce qui me fout en rond, moi? C'est que les gens, ils font n'importe quoi pendant le week-end, après ils se plaignent qu'ils ont mal. Oh, ça fait mal. Bah ouais, bah évidemment, vous allongez sur votre bras. Oh non. Oh la vache, c'est pas le bras. J'ai eu comme une sorte de violente douleur dans la nuque, là, subitement. C'est normal, ça. Si on touche les iliaques, eh ben, ça fait vibrer les cordes vocales. Hein? On sent vibrer la nuque. Alors, montez là-dessus. Oh non. Montez là-dessus. Je me rappelle mon fils, quand il était bébé, et que je lui talquais les fesses. Il est intelligent, ce chien ne lui manque que la parole. Donne la papa à ta maman. Donne la papa à ta maman. Donne la papa à ta maman. Eh, hey, tu veux pas que je te demande ma queue en même temps? Dites-moi, cher Tintin, oui, votre cœur est-il bébé? Sale bête, sale bête. Tintin, ah, il est couché, cabot, couché. Allez au coucher. Emmenez-moi. Et comme les taureaux, ça, quand ils voient rouge, ça l'énerve. À vous, tu la solde de Bouvard premier. Non, non. À vous le, tu la solde de Bouvard premier. Non, non, je parlerai pas. Combien ils payent pour dire ces conneries à la cour des grosses têtes? Vous pouvez me torturer jusqu'à la mort. Je dirai rien. Tu ne parleras pas? Non. Alors, je vais te faire le supplice de la souris grignoteuse. Ah non, ah non, non, non. Ah, pas la souris. Pas la souris. Hein? J'en ai connu des souris, hein? Mais des comme celle-là, jamais. Qu'est-ce que c'est que ce type? Calmez-vous. Hein? Non, je veux plus. Mais non, ça va s'arranger. Là, je suis désolé, mais je vais t'obliger d'amener la chef de demoiselle Amanda. Ah non. Ah, ah non, ah non. La chef. Ah non.